Donc alors, pour la seconde partie de mes courses, pour la seconde partie de mes courses, donc je suis passée à Picard, toujours à mon désir. Donc j'ai acheté de la mangue en tranches, donc 450 grammes à 5,50 €. De l'ananas en morceaux, donc là il y a 600 grammes et ça coûte 3,40 € avec 16 centimes de réduction. J'ai acheté un plat coréen, donc c'est le mandu au poulet et au kimchi, donc des bouchées vapeur, 160 grammes, donc là c'est 3,60 €. Ensuite j'ai pris un plat chinois, donc à 180 grammes, c'est le siumei aux crevettes, donc ça fait 3,75 €. Ensuite j'ai voulu goûter au bibimbap de Corée, qui est assez connu, en tout cas le nom, donc à 350 grammes à 4,99 €. Ensuite j'ai pris deux mac and cheese à 400 grammes, donc ça fait 2,30 € chaque. Voilà, avec 22 centimes de réduction, donc j'imagine que c'est 11 centimes par plat. Ensuite j'ai pris du saumon pané, 360 grammes à 7,95 € avec 39 centimes de réduction. Ensuite j'ai pris donc le wonton au poulet, sauce chili et riz, donc ça c'est encore un plat chinois. Ce sont des raviolis au poulet, donc 340 grammes. Ça fait 4,95 €. Ensuite, j'ai pris un velouté de lentilles corail, crème coco, curry et coriandre. Je vous ai déjà dit que j'adore la coriandre. Donc 1 kg. Là, ça fait 3,50 € avec 17 centimes de réduction. Et enfin, un potage Brighton. Donc carottes, pommes de terre, cheddar. Là, c'est 1 kg et ça fait 3,95 €, 75 centimes de réduction. Donc ça faisait 46,19 € avec une remise de 1,69 €, donc en tout 44,50 €. Voilà, donc ce sont mes courses Picard de la semaine. Je me suis encore fait plaisir, notamment avec les mac and cheese. Et je découvre, donc je crois que le bibimbap j'avais déjà goûté, par contre je découvre les autres. C'est vrai que je prends plus les plats japonais, thaïlandais et vietnamiens d'habitude, mais là cette fois-ci j'ai voulu tester les plats chinois et coréens. Voilà, donc je vous fais comme la semaine dernière, je vous montrerai quand je cuisinerai et à quoi ça ressemble.